Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. On est chacun chez soi. Et ce qui nous relie, c'est notre champ de conscience. C'est notre champ de chi. C'est notre bon cœur. C'est notre pure conscience. Il y a quelque chose de touchant dans ce moment. Quelque chose de beau à pouvoir être connecté de cette manière-là, alors qu'à l'heure actuelle, tellement de gens se sentent confinés. Nous, nous sommes connectés. Et on peut bien voir que le sentiment d'être relié n'a rien à voir avec la liberté personnelle ni avec la possibilité de se déplacer. C'est une qualité de présence, une qualité d'être à soi et au monde qui, dans cet instant, nous relie, nous unit, nous rassemble. Nous sommes ensemble. Avec tous les participants de la retraite Mingjuan, professeur Wei et toutes les belles informations que tous ceux qui y participent partagent et qui aujourd'hui s'ouvrent à vous tous pour pouvoir que tous nous partagions ensemble. À travers nous, se déversent toutes les informations de Mingjue. Et je pense que plusieurs d'entre nous sentent que quelque chose est en train de changer. Fermez les yeux. Et à l'intérieur. Avec un léger sourire, avec une douceur. C'est un peu comme quand on rentre le matin dans la chambre d'un petit enfant, que ce soit son enfant ou que ce soit ses petits-enfants, et il y a un sentiment d'amour, de tendresse et de douceur, la sensation de quelque chose de précieux et de touchant.
parce que nous allons à la rencontre d'un petit cœur pur qui est en train de s'éveiller dans la douceur du matin. Il y a quelque chose de chaleureux parce qu'il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus rien à perdre ni à gagner. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe. Un sentiment d'amour et de tendresse remplace tous les mouvements du mental qui devient très simple, clair et lumineux. Et rien de bien compliqué n'est présent. Nous allons à la rencontre de notre cœur de bébé pur à l'intérieur qui est en train de s'éveiller dans la douceur du matin. Nous venons lui dire des mots tendres, des mots doux. Avoir une attitude bienveillante. Caressante. Une attitude naturellement joyeuse, naturellement heureuse. La situation elle-même est porteuse d'une joie, d'un bonheur qui est discret, qui est simple et vital, vivant. Il y a aussi du respect, un respect tellement simple et évident pour ce qui est précieux, pour ce qui importe vraiment. Au-delà des turpitudes, au-delà des tourments, un respect pour ce qui a vraiment de la valeur, ce qui compte vraiment pour nous. Et nous revenons à ce qui compte vraiment pour nous, au-delà des idées, au-delà des mots, au-delà des concepts et des émotions, ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Ce qui se satisfait de lui-même, ce qui n'a ni besoin d'être prouvé, ni besoin d'être défendu. La vie elle-même, en nous. Nous pourrions nous donner un bon câlin pour nous aider à relâcher toute pression, toute obligation, tout sentiment de devoir faire quelque chose, pour le remplacer par l'envie d'être nous-mêmes dans cet instant. De nous ressentir pleinement vivants, vibrants, sans rien d'exubérant. Sans rien à montrer. Mais de manière intime et profonde de vivre notre vie intérieure. Comme un cadeau. Comme un moment présent. Un présent du moment. Il n'y a rien à faire et rien à vouloir, et en fait, il n'y a rien à être.
La dictature de devoir faire quelque chose s'assouplit, se détend. Nous n'avons rien à faire qui soit une obligation dans ce moment. Il n'y a aucun devoir à remplir, rien à quoi nous conformer pour être nous-mêmes dans cet instant. Pour nous sentir pleinement vivants. Au-delà des critiques et des jugements, au-delà de comment le moment devrait se passer, juste se sentir pleinement être. Nous sommes. Nous sommes là. Et notre présence se rencontre et s'unit. Nous nous soutenons les uns les autres pour être présents pleinement, avec tout le grand champ de conscience et d'amour. Nos cœurs purs s'unissent et se marient. Nos esprits purs résonnent à l'unisson, à l'harmonie. Avec la grande harmonie de l'univers. Tout s'unifie. Résonne ensemble. Se soutient. L'espace à l'intérieur de nous est beau. Nous n'avons rien besoin de mériter pour être touchés par ce que nous sommes. Nous pouvons nous aimer. Nous en avons le droit et la liberté. Et nous en avons l'occasion dans ce moment. L'amour universel fusionne à l'intérieur de nous. Fusionne dans tout l'univers et tout le champ de conscience et d'amour. Se remplit d'amour universel. Avec tous les gens que nous aimons, laissez votre cœur aller à la rencontre de tous spontanément. Tous les gens que nous aimons, notre cœur les connaît tous, par cœur. Nous sommes réunis. Avec tous les gens qui nous aiment. Tous ceux que notre cœur a touchés, de cœur à cœur.
avec tout le champ de conscience. Éveillé, aimant, avec l'univers, avec le docteur Pang et tous les êtres qui ont préservé la conscience pure et l'enseignement depuis l'aube des temps. Toutes les générations successives, les milliers de personnes tout autour de la Terre qui ont amené l'enseignement jusqu'à nous, aujourd'hui, ici et maintenant. Merci. 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 Nous continuons une aventure qui a commencé à l'aube des temps et qui prend forme à travers nous. Notre champ d'information est tellement puissant de tirer ses racines à l'origine. Et passe au travers de nous pour tous ceux qui continuent la pureté de la conscience et les enseignements jusqu'à la fin des temps. Pour eux, nous sommes les ancêtres. Nous sommes ceux qui recevons et nous sommes ceux qui donnons. Et nous pouvons être pleins de gratitude et de reconnaissance pour ça. Ça pourrait être un matin banal, rempli de préoccupations plus ou moins intéressantes. Mais maintenant, notre champ de conscience et d'amour a déjà changé. Notre journée, changer notre vie. Ressentez ce changement, faites-en l'expérience, pas simplement dans les mots, mais dans ce que vous vivez, comment la vie à l'intérieur de vous change. Se déploie et s'harmonise avec l'univers et tout le champ de conscience et d'amour. Nous sommes la vie. Avec un léger sourire, un bonheur simple, être simplement heureux. Sans raison qu'il le justifie. Sans raison qu'il amoindrit. Juste être heureux. Être heureux comme une reconnaissance envers la vie. Comme une gratitude. Être heureux pour remercier.
pour reconnaître la valeur de ce que nous vivons maintenant. Quoi de mieux qu'un léger sentiment de bonheur, qu'un léger sourire, qu'une légère tendresse pour ouvrir notre cœur. Et laisser rayonner la vie en nous de plus en plus profondément, de plus en plus profondément. Comme si nous allions nous endormir, notre intention se détend. Se relâche de plus en plus profondément. Notre volonté s'étiole et se relâche, se détend. Nous sommes là et c'est comme ça. Tout notre corps de chi, de plus en plus harmonieux et uni. De plus en plus fin. Ressentez votre respiration. Elle va nous aider à stabiliser notre présence. Dans l'immensité de l'espace extérieur et intérieur, le souffle expire et s'ouvre, se détend, se relâche et se mélange avec un léger sourire. Et à l'inspire, c'est tout qui revient à l'intérieur. Et l'expire nous détend complètement, nous ouvre et nous rayonnons, nous fusionnons sans limite. Chaque expire est le bon moment pour se détendre et sourire.
À chaque inspire, c'est tout le corps de chi et l'espace qui inspire. À chaque détente, c'est tout le corps de chi et l'espace qui expire, sourit légèrement. Nous sommes la détente de l'univers. Nous sommes le sourire de la vie. Laissez-vous aller dans l'immensité. Tout s'ouvre de plus en plus profondément, se débloque de plus en plus intimement. C'est notre vie qui se déploie et se libère. Libérez-vous en restant présent à vous-même. L'amour universel rayonne et transforme chaque cellule, fleurit à la lumière de l'amour universel.
cœur de chaque cellule. Chaque ADN se relâche et fusionne dans l'univers, dans l'amour. Chaque neurone se détend et s'assouplit. Toutes les informations passent très bien, circulent très bien, et tout se débloque. Les informations sont abondantes et pures, circulent librement, et tous les blocages de l'information disparaissent. 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 Ils n'ont aucun lieu d'être. Tout s'ouvre et rayonne. Chaque cellule, chaque espace se relâche et fusionne avec l'univers. Nous sommes les heureux témoins de l'union, de la vie universelle. C'est très bien. Vous avez très bon cœur. Ne croyez pas que parce que je parle, c'est moi qui fais tout seul. Moi, je ne suis que la voix qui vous permet de vous souvenir, qui donne une direction. Mais ensemble, nous sommes le champ de conscience qui s'éveille. C'est ensemble que nous créons l'harmonie. Ce n'est pas moi tout seul. C'est chacun d'entre nous ensemble. Nous sommes ensemble et nous le faisons ensemble. Nous ouvrons et transformons ensemble. Nous aimons ensemble. Tout change et devient très pur. Moi, j'ai juste la chance que vous me suiviez et le bénéfice de votre présence éveillée. Nous sommes ensemble avec tout le champ de conscience et d'amour, avec tous les professeurs que nous aimons. Avec toute la reconnaissance de notre cœur, toute la gratitude de pouvoir vivre ça et le partager ensemble, d'être compris. Puis chaque cellule qui sourit se remplit d'amour.
Toutes les petites cellules à l'intérieur de nous sont heureuses. Toutes les petites cellules à l'intérieur de nous sont saines, pleines d'amour. Nous ne sommes vraiment pas le patron à l'intérieur. Nous ne faisons que donner la direction. C'est toutes nos petites cellules ensemble, en harmonie, avec notre pure conscience, qui permet que tout soit possible. C'est toute la vie qui traverse toutes les cellules, toutes les idées, toutes les émotions, tout le système nerveux, hormonal, immunitaire. C'est tout ça ensemble. C'est l'amour et la vie qui les traversent, les anime et les transforme. Et nous sommes la vie, consciente, présente, à elle-même. Comment pourrions-nous être quelque chose d'autre que la vie? La vie a un nom. La vie a un métier où on a eu un. La vie a des passions. La vie a une forme, une beauté, une apparence. Mais c'est toujours la vie qui a ça. Nous sommes toujours la vie. Nous sommes toujours vivants. Tant que nous existons, nous sommes vivants. Aucune des histoires que nous vivons ne peut remplacer cette réalité. Revenir à cette réalité, c'est être nourri par la vie, et c'est chérir la vie, aimer la vie, en nous, comme dans tout l'univers, en harmonie. Très bien. Très bien. Il est moins un quart pour ceux qui devront mettre la vie en mouvement. Sachez-le. Et pour nous qui avons la chance de pouvoir nous détendre très profondément dans cet état sans aucun impératif, nous sommes vraiment chanceux. Pouvoir prendre notre temps comme nous le souhaitons. Et pour tous ceux qui doivent mettre en mouvement la vie, jouez à rester dans cet état connecté à la vie. Et la vie passera au travers de tout ce que vous allez faire. Ça va changer la vie. La vôtre et celle des autres autour de vous qui vont vous sentir intensément vivant sans avoir besoin d'y réfléchir. Ils vont être touchés dans leur cœur par la vitalité qui nous anime. Les plus grands soins sont possibles de cette manière. Et ce n'est plus des soins,
C'est la vie qui aime la vie, qui prend soin de la vie. Et ça fait du bien d'être heureux. Pouvoir relâcher la pression et se laisser aller complètement dans la vie et dans l'univers. À chaque fois que vous perdez le contact avec la vie, avec vous-même, nous sommes la vie. Nous sommes vivants. À chaque fois que la vie fait comme si elle était des problèmes et des pensées, comme si elle était uniquement des émotions, qu'est-ce que c'est stupide et maladroit de notre part. Nous sommes bien maladroits et confus. Et c'est touchant aussi. C'est mignon, dans le bon sens du terme. Nous apprenons à devenir libres à petits pas d'enfant. Dans les profondeurs de l'espace intérieur, tout se relâche, se dissout. Relâchez plus encore. Observez tout le corps de Chi uni avec l'univers, c'est un même espace. Et cet espace pur se rassemble à l'intérieur. Tu t'en tiennes supérieur. Le chi originel transforme le temps de tienne supérieur et la conscience s'unit au chi originel. C'est la conscience originelle. Observez
Et détendez-vous profondément à l'intérieur du Tantien supérieur, de telle sorte que il n'y a pas le Tantien supérieur et le reste du corps de Chi, mais qu'il y a le corps de Chi et que nous nous intéressons plus particulièrement au Tantien supérieur. Tout est uni, c'est un même espace qui s'ouvre et se déploie sans limite. Notre conscience est spacieuse, elle semble être l'espace elle-même, lui-même. Observez tout le corps de Chi, tout l'espace, le corps d'espace. Et si vous vous détendez profondément, vous pouvez observer que nous ne pouvons pas mettre dans une boîte cette expérience. Nous ne pouvons pas la définir avec des limites qui seraient strictes et exclusives, mais qu'au contraire, tout est ouvert et circulant. Tout est uni. Et c'est l'espace qui définit ce que nous percevons. Tout est entouré d'espace. De sorte que tout est toujours ouvert et circule librement. Observez le Tantien médian. Passez au travers, ce n'est que de l'espace. Les épaules et les bras. S'illumine. Le palais de Shenji s'illumine. Fusionne avec tout l'espace. Dit Shunji silencieusement et explorez ce qui se passe. Vous pouvez aussi le dire juste en pensée. Vous observez ce qui se passe et prenez conscience que vous observez, puisque c'est le cas, vous observez.
Observer fait partie de ce que nous sommes en train de faire. Dites Shunji de manière plus subtile, plus douce. Et observez le palais de Shunji. Qui réagit lorsqu'on l'appelle. Laissez-vous détendre. Endormez-vous. Dites-le juste en pensée. Shunji n'est plus qu'une pensée qui vibre à l'intérieur. Et vivez les espaces entre deux Shunji, là où il n'y a rien à faire. La vie fait l'expérience de Shunji. Prenez conscience de l'intention de dire Shunji, de la légère motivation que vous avez juste avant de penser Shunji. Cette petite impulsion.
Étendez, relâchez. Maintenant, prenez conscience du temps de tienne inférieur. Palais de Mingmen s'ouvre, fusionne dans l'univers. Détendez-vous, reposez-vous dans le palais de Mingmen. C'est l'arrière du temps de tienne inférieur. On l'appelle aussi Runyuan Shunshu. Mais le nom, on s'en fiche. Simplement laisser la conscience se détendre dans la partie arrière du temps de tienne inférieur. Mingmen, Ruiyin, délicatement fermé, connecte à l'intérieur du palais de Mingmen. Vous pouvez continuer à dire Shenji doucement à l'intérieur du palais de Mingmen ou simplement ne rien faire. Et vous reposez, profitez du moment. Ressentir la respiration douce, mais légèrement en mouvement. La respiration du temps de tienne, de Mingmen, devient la respiration de tout le corps de Qi, de l'univers. Et chaque expire détend, relâche et s'ouvre avec un léger sourire.
L'amour universel. Fusionne, transforme, revenez à la présence, revenez à la vie, et la vie se concentre. Se réunit et se rassemble, se recentre. Lorsque la vie s'identifie aux pensées, aux émotions et aux sensations, la vie se dilue. Quand la vie revient à elle-même, elle se concentre, elle se recentre et se rassemble. Et elle retrouve sa puissance, sa cohésion et sa cohérence. Il y a quelque chose de puissant et de rempli d'amour, de vital, quelque chose de vivant. D'aimant. C'est dément. Prenez conscience. Prendre conscience, oui, mais de quoi? Que vous avez conscience. C'est vrai. Nous avons conscience. Et nous le savons. Nous sommes vivants,
jusque dans l'univers. Et ce que nous sommes en train d'observer, nous savons que nous l'observons. Puisque de toute façon, c'est ce que nous faisons. Que nous en ayons conscience ou pas, nous sommes en train d'observer, de percevoir. Alors nous pouvons soit en avoir conscience, soit ne pas en avoir conscience. Ça ne change rien, c'est ce que l'on fait. On perçoit, on observe. C'est déjà là. Il n'y a rien à rajouter. Mais il n'y a aussi rien à retrancher. Nous ne perdons pas conscience du fait qu'on observe, parce que c'est ce que l'on fait. On observe, on perçoit. Cela pourrait sembler légèrement banal, puisqu'on le fait, on sait qu'on le fait, c'est comme ça. Pourtant, ça, c'est la pratique de Mingjue. On observe et on le sait. On perçoit et on sait qu'on perçoit, puisqu'on perçoit. On pense et on sait qu'on pense. Puisqu'on pense, alors on le sait. On ressent et on sait qu'on ressent. Puisqu'on ressent, c'est là, on le sait. Nous sommes présents et nous savons que nous sommes présents. Nous sommes vivants et nous savons que nous sommes vivants. Nous confirmons l'expérience à l'intérieur de nous. Nous savons que nous sommes vivants. Qui sait ça? Qui sait que nous sommes vivants? Qui est ce nous qui savons? Eh bien, on ne peut rien en dire. On ne peut qu'observer sa présence, notre présence. C'est comme si nous observions autre chose quand nous observons notre présence. Comment est-ce que ce serait possible? Ça ne peut pas être autre chose.
Quoi que l'on se dise, on sait qu'on se le dit. Puisque ça se passe, on le sait. Détendez-vous, relâchez votre intention. Vous respirez et vous le savez. Et utilisez les expires pour détendre, ouvrir, sourire légèrement. Revenez. Ressentez tout qui se reconcentre quand vous revenez, qui se recentre. La vie était diluée dans les pensées, les émotions, les sensations. Et elles se recentrent et se concentrent. La respiration est
le cœur de la présence, pour revenir à la présence, toujours la respiration peut nous aider. Toujours l'expire peut nous permettre de nous détendre et de sourire. C'est toujours disponible, toujours présent. Toujours l'inspire est celui de la respiration universelle. Et l'expire, celui de l'ouverture, de la fusion, de la grande détente et d'un léger sourire. L'amour universel est abondant, circule librement, pénètre partout, dans toutes les cellules, dans tout l'ADN, tous les atomes. Toujours quand vous sentez que vous vous diluez, que la présence se dilue dans les perceptions, les idées et les émotions, toujours revenez. C'est une grande ouverture et une fermeture qui, de la dissolution à la concentration, permet à la conscience de devenir de plus en plus souple et spacieuse, de plus en plus profonde et unie, de sorte que, où qu'elle se dilue ou se perde, elle sache comment
se refermer, revenir à elle-même, s'ouvrir à elle-même, se recentrer. C'est un grand kai et un grand re. Que de se perdre dans les pensées et les sensations. C'est un kai de la conscience qui se disperse dans le monde, qui s'ouvre dans le monde. Quand elle revient, c'est un qui ramène la conscience à elle-même, la concentre et la centre. Le but n'est pas juste de rester dans l'état méditatif tout le temps. Il y a besoin d'aller dans le monde. Parce que le monde a besoin de nous et que nous avons besoin du monde. Nous sommes la vie, nous sommes vivants. Tout dans la vie est vivant, tout est bon. Mais aller dans le monde, peut se faire en conservant son axe, son centre, sa présence intérieure, de sorte que l'on peut se diluer dans le monde sans se perdre. Cela demande de l'entraînement. C'est ce que nous faisons. Et je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Préparez-vous à finir. Observez les mains et les bras et observez qu'ils changent parce que vous en avez conscience. La conscience pure fusionne dans tout le corps de chi qui devient un corps conscient. Fusionne dans tout le champ de conscience et d'amour qui est en éveil, devient conscient. Fusionne avec la terre, la nature et l'univers qui s'éveillent, deviennent conscients. Souhaitez du fond de votre cœur que tous les êtres qui soient connectés avec nous s'éveillent. Juste souhaitez-le. Ne pensez pas si c'est possible ou non. C'est très bien. Beaucoup de gens reviennent à eux-mêmes, se désidentifient et se recentrent. Et rendent notre champ de conscience plus fort et plus pur.
plein d'amour, de gratitude. Depuis l'aube des temps, avec les tout premiers pratiquants, cette intention d'éveiller l'humanité ne s'est jamais tarie. Et elle est arrivée jusqu'à nous. Et elle passe au travers de nous, dans tout le champ de conscience et d'amour, dans toute notre vie, entièrement, tout change. Toute notre vie se recentre et s'harmonise. Les informations s'intègrent, tout le pur chi s'intègre. Avec tous les gens de notre vie qui font que l'on est là aujourd'hui, tous nos ancêtres, tous les gens de notre vie. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Avec tous ceux qui sont au-devant de nous, jusqu'à la fin des temps. Merci de continuer. Merci. Merci. Merci à ceux qui ont commencé. Merci à ceux qui continuent. Merci à ceux qui le font. Merci à l'univers, à la nature et à la terre qui nous nourrit et nous anime, nous rend vivants. Sans la terre, nous n'aurons pas d'existence, nous ne pouvons pas vivre. Sans le chi pur de l'univers, nous sommes morts. Nous pouvons être tellement reconnaissants. Pour tous les êtres, dans tous les espaces et dans tous les temps, que cette pratique vous serve tous autant qu'à nous. Prenez une balle de chi doucement. Le chi est tellement pur et abondant. La conscience tellement pure et en éveil. Condensez le chi devant l'abdomen dans le tantien inférieur et superposez les paumes de main sur le nombril. La conscience revient dans le palais de Mingmen. Pour nourrir le chi, la conscience et l'amour.
tout se débloque et se résout. Toutes les maladies disparaissent dans l'amour. Tout s'ouvre et se débloque. Déployez le corps, séparez les mains. Bougez de l'intérieur pour vous sentir bien partout. Confirmez dans vos sensations, dans tout le corps, que vous vous sentez bien. Vous pouvez tourner la colonne sur les côtés pour bien détendre. Et masser toutes les zones qui ont bien travaillé. Le chi est très abondant, la conscience pure et unie. Nous avons ouvert des espaces très profonds de notre être et de l'être de l'univers, de l'être de l'humanité. Permet à la vie de transformer notre vie entière, totalement, à tous ses niveaux. Ce n'est peut-être pas les changements que l'on veut, mais c'est les changements qui sont intervenus. Ce n'est peut-être pas nos ambitions, mais c'est ce qui s'est passé. Faites en sorte que le chi et le sang puissent circuler librement de partout. Vous sentir bien partout. Ramener la conscience partout. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée.